Hey, salut les Pokéfans, c'est Rem27 et comme vous le voyez, on va faire un autre Toucan Trick de Arceus qui est beaucoup plus long mais beaucoup plus simple à réaliser par rapport à l'autre chemin où il fallait faire 10 000 pas à droite, à gauche, au nord, au sud, etc. Celui-là est beaucoup plus simple mais beaucoup plus long, mais il est vachement pratique parce qu'il va vous permettre d'avoir plusieurs Arceus et en plus de ça, ils seront en salle originelle, la salle où on capture normalement ce Pokémon avec l'event. Donc il sera légit et il pourra activer l'événement de Heart Gold et Soul Silver, si je dis pas de bêtises, si vous transférez, voilà, bref. Et en plus de ça, avec cette technique, vous pouvez en avoir plusieurs et le chasser. Donc c'est parti, on va commencer, je lance le jeu. Alors pour ceux qui se demandent comment je suis arrivé là, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche maintenant. Lien aussi disponible en description pour ceux qui sont sur téléphone. Voilà, elle est très très importante, je vous invite à la regarder, à la re-regarder s'il le faut. Ce sera pour préparer le bug, voilà, le Toucan Trick, ce qu'il faut pour préparer l'aventure, etc. Petit rappel, ça ne marche pas sur Platine, et il faut avoir obligatoirement une corde sortie, un Pokémon avec Paul, téléport, et le dernier tunnel, voilà, qui vous permettra de sortir n'importe quand lors du bug, et excusez-moi, j'ai du mal à parler. Bon, on va commencer tout de suite le pattern, c'est parti, on va remettre le compteur de pas à 0, on va en faire un en bas. On remet à 0, on en fait 17 à gauche. Donc préenregistrez votre vélo, juste avant le bug, ce sera plus facile pour vous, enfin plus rapide. On remet à 0, on en fait 14 au nord. Et voilà. Alors moi j'ai un petit mur, c'est pas grave. Si vous avez un petit mur, ça arrive, on va resetter. Donc je vais resetter, je vais me mettre en accéléré. Donc oui, ça arrive d'avoir des murs comme ça, c'est pas grave, vous resetter comme je viens de le faire. Je remets le compteur de pas à 0, j'en fais un au sud, 17 à l'ouest, je remets à 0, 14 au nord. Voilà, là j'ai plus le mur comme par magie. Et puis là, on remet le compteur de pas à 0 et on va en faire 895 vers l'ouest. C'est parti. Donc j'espère que vous avez bien préenregistré votre vélo, c'est vraiment important. Enfin, en zone mystère, on pourra l'utiliser. Vu que je n'ai plus rien à dire, à part utiliser son vélo quand on sera en zone mystère, je vais sûrement mettre la vidéo en accéléré. Donc on s'approche des 895, je ralentis, on y va doucement, faut bien tomber pile, c'est vraiment important. Voilà, on a fait les 895, on est en zone mystère, c'est normal. On remet le compteur de pas à 0. Et on va faire 510 pas vers le bas. Donc vers le sud, c'est parti. Donc je vais remettre un peu en accéléré s'il le faut. Et voilà, je suis au 510. On remet le compteur de... Non, on touche pas au compteur de pas pour l'instant. On va faire XADB. Et on ressort. Et là, si vous voyez votre personnage, c'est une bonne nouvelle, c'est que votre jeu a supporté et vous allez pouvoir sauvegarder. Voilà. Si jamais vous avez un écran noir, voilà, vous recommencez et peut-être que ça fonctionnera une fois sur deux. Des fois ça marche pas, des fois ça fonctionne. Voilà. Une fois que vous avez sauvegardé, vous resetez. LR plus select plus start. Le jeu se relance. Voilà, on va se dépêcher. Donc on relance le jeu, c'est parti. On remet le compteur de pas à 0. Et on en fait 128 vers l'ouest. C'est parti. Mettez-la à grande vitesse, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, 128. Pile. Là, c'est vraiment très important de respecter les pas. Sinon, ça va fausser tout, vous n'aurez pas le chemin d'Arceus. Arceus soit n'apparaîtra pas, soit vous ne pourrez pas sortir du bug. Donc c'est vraiment très important de respecter le nombre de pas. On remet le compteur de pas à 0, on en fait 32 en haut, donc vers le nord. C'est parti, doucement mais sûrement. Voilà. On remet le compteur de pas à 0, on en fait 992 vers la gauche. C'est parti. Donc je vous mets ça en accéléré, c'est parti.
qu'on se rapproche petit à petit, je vais commencer à ralentir. 992, je rappelle. Donc on y va lentement mais sûrement, faut bien tomber pile, voilà, zone mystère. Et là va commencer l'ascension de 73 000 pas. Alors, exactement, c'est 73 502 pas, mais je préfère le faire par étape, donc je vous conseille de faire 73 000 pas exactement. Donc on remet le compteur de pas à zéro, et on va faire 73 000 pas ensemble vers le nord. C'est parti. Donc mettez la grande vitesse, vous irez beaucoup plus vite. Prenez le vélo. 73 000 pas, c'est équivaut à peu près une heure et quart. Voilà, une heure et quart. Donc bloquez votre pad ou croix directionnelle via la vidéo qui s'affiche maintenant. Voilà, c'est comme ça que je fais personnellement si je suis sur 3DS ou New 3DS. Bloquez le pad. Si vous êtes sur une autre console, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça montre comment je fais avec les moyens du bord pour bloquer la flèche directionnelle. Voilà. N'hésitez pas à mettre aussi le compteur de pas. Si guettez de temps en temps le compteur de pas, regardez que votre jeu n'est pas freeze. Hein. N'attendez pas pour rien. Si jamais vous avez un double écran noir pendant ce bug, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affiche. Voilà. Ça va vous aider. Parce que si vous avez un double écran noir, ce n'est pas fini. Hein. Le bug fonctionne toujours. Donc allez voir cette vidéo, ça vous explique comment sortir de cet écran noir sans forcément arrêter le bug ou éteindre et recommencer le bug. Et je vous invite donc à mettre un chargeur si besoin. Moi je vous dis à dans une heure et quart à peu près, je vais faire du montage, mater une série. Donc à plus tard, à dans une heure et quart environ. Donc regardez, dans une heure et quart, mettez une alarme parce que si vous dépassez les 73 000 pas, et bah ce sera foutu pour vous. Vous aurez attendu non seulement pour rien. Donc n'hésitez pas à guetter de temps en temps et moi je vous dis à tout à l'heure. Donc je vais pas mettre en accéléré, je vais directement passer vers les 73 000 pas. Je vais pas vous faire subir ça et moi je vous dis à la prochaine. Enfin, à tout à l'heure. Et donc on s'approche des 73 000 pas. Voilà, après une heure et quart au moins. Donc on va faire 73 000 pas exactement, pas de plus, pas de moins. On y va lentement mais sûrement. C'est parti, voilà. 73 000 pas. Maintenant, on va remettre le compteur de pas à zéro. Et on va en faire 502 vers le haut. 502 pile. Si vous ratez cette étape, le Twin Trick de Arceus est foutu. Allez, c'est parti. Alors, personnellement, j'ai utilisé un chargeur parce que ma DS était rouge. Donc j'ai utilisé un chargeur, je n'ai pas eu de double écran noir, ce qui est plutôt bien. Et ça m'a permis de commencer le montage de cette vidéo. Du coup, c'est 1h20 à peu près de monter vers le nord. Donc là, on va ralentir parce qu'il faut faire 502, je le rappelle. Allez, on monte tranquillement. 502, hop, route 228. Une fois qu'on est ici, on va faire un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. On va faire ça jusqu'à ce qu'on ait au compteur 512 pas. Donc là, par exemple, je vais faire un pas en bas. Voilà, zone mystère. Un pas en haut, route 228. Un pas en bas, zone mystère, un pas en haut, grand marais. Vous voyez, ça change de zone. C'est ça qu'on cherche. On va faire ça jusqu'à tomber à la route, à la salle d'origine. Alors je refais un pas en bas, un pas en haut, grand marais encore une fois, un pas en bas, un pas en haut. Normalement, c'est encore grand marais. Et là, on va faire un pas en bas, et encore un pas en haut, et là, normalement, à 512, on arrive à la grotte, enfin à la salle originelle, si je me trompe pas. Hop, voilà, salle originelle. Maintenant, on va faire X, A, B, B. On va aller dans le menu, donc X, A, B, et B. Si vous voyez votre personnage, c'est génial, le Twin Trick va pas tarder à commencer. Maintenant qu'on a trouvé la salle originelle,
Le but, ça va être d'activer l'événement. Donc, il va falloir trouver le parc ami. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui ai trouvé ce tour d'intrigue, donc je voulais remercier au passage l'équipe de Prama Initiative. Vous retrouverez le lien en description, voilà, mes sources en description. Une fois que vous avez fini et que vous êtes en salle originelle, vous allez mettre le compteur de pas à zéro et vous allez faire 251 pas vers le sud. Voilà, c'est parti, vers le bas. 251, pas un de plus. Arrêtez-vous bien à 251. Ça va être très 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 important. Alors je me concentre, je ralentis. 251 piles. Voilà, prenez votre temps, ce serait dommage de tout gâcher. Et hop, 251 en bas. Vous remettez le compteur de pas à 0. Et on va en faire de nouveau 251 vers le nord. Donc on va revenir sur nos pas. C'est parti. Voilà, 251 vers le nord. Et là, magie, la zone aura changé. Ce sera le parc ami. Allez, je ralentis. 251. Hop, vers le nord. Voilà. Et là, vous allez voir, je vais refaire un pas vers le nord qui ne va pas être comptabilisé. Voilà. Donc c'est comme si j'avais fait 252 vers le nord, au final. Sauf qu'il n'a pas été comptabilisé. Une fois que ceci est fait, vous allez faire... Alors, on remet le compteur de pas à zéro. Et on va faire 2816 vers le bas. 2816 vers le bas. C'est parti. Donc personnellement, vu que c'est assez long, je vais mettre ça en accéléré. A tout de suite. Voilà, on s'approche petit à petit des 2816 pas, donc je vais commencer à ralentir cette partie. On va aller doucement, 2816 précisément. Voilà, pas un de plus, sinon ça fausse tout. Et maintenant on va remettre le compteur de pas à zéro. Donc, on va faire 288 vers la gauche, donc vers l'ouest. C'est parti. 288 précisément, c'est vraiment très important. On rappelle qu'on a activé l'event Park Ami, donc on va pouvoir attirer Arceus. Donc 288. On y va doucement. Hop, on commence à ralentir, on se concentre. 288. Voilà, salle originelle. Alors moi je vous invite à... Ce n'est pas expliqué dans les sources, mais personnellement... Je l'ai fait plusieurs fois ce bug, et quand je faisais XABB avant de lancer le combat, j'avais moins de bugs, en fait, j'avais moins de bugs après la capture, parce qu'après la capture ça peut freeze. Et quand je faisais XABB avant le bug, je n'avais pas de freeze. Donc on va faire XABB, donc vous allez dans le Pokédex, et vous ressortez. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire partir et affronter Arceus. Voilà, Arceus qui veut se battre dans la salle originelle. Donc là, vous avez le choix. Soit vous le capturez. Mais ne sauvegardez pas tout de suite. Hein. Ça sert à rien de sauvegarder après l'avoir capturé, sinon vous allez rester dans le bug. Donc moi, pour la vidéo, je vais le fuir parce que je vais vous montrer, pour ceux qui veulent le chasser, comment on va faire. Voilà. Donc pour ceux... qui veulent le capturer et partir, je vous mets des indications, ou soit je vous renvoie sur un autre cas de figure
lorsque je ferai une vidéo, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais là je vais vous montrer l'exemple pour chasser le Pokémon. Donc là je vais le fuir. Donc fuite impossible, merci, j'ai pas de chance. On va essayer de le fuir. Allez, on va te fuir, s'il te plaît. Voilà, donc je l'ai fui. Arceus a disparu. Alors pour ceux qui veulent sortir, je vous mets les indications maintenant de ce qu'il faut faire. Au pire, ce sera les mêmes que moi, vous allez voir. Donc moi, je vais mettre le compteur de pas à 0. Normalement, si je monte de 29 pas, je vais arriver à Félicité. À une zone qui s'appelle Félicité. Voilà, donc une fois que vous êtes là, vous allez remettre le compteur de pas à 0 et refaire un pas au sud. Donc ça, c'est pas dans les sources, mais je vous invite à le faire pour pouvoir le chasser, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Vous allez refaire XABB, voilà, histoire de rafraîchir l'écran, et vous allez faire partir. Mais cette fois-ci, le Arceus, comme vous allez le voir, est en zone félicité. Donc on va l'affronter, il sera pas légitime, vous pouvez le capturer. Mais c'est pas le but, pour moi, c'est de l'avoir dans la salle originelle. Donc je vais le fuir. Donc là j'ai commencé à vous montrer l'étape de comment faire. Pour chasser Arceus sans qu'il y ait de bug après le combat, bon. Si j'arrive à le fuir, désolé, voilà. Une fois que c'est fui, vous remettez le compteur de pas à 0. Et vous faites deux pas pour arriver dans la salle originelle. Vous remettez le compteur de pas à 0. Moi, personnellement, je fais 9 pas. Voilà, 9 pas. Je refais XABB. Voilà. Et je fais partir. Et voilà, il y a encore un Arceus qui va vouloir se battre, etc. Et vous répétez cette étape, comme je vous montre. Vous remontez après la félicité. Vous descendez d'un pas en dessous de Félicité pour arriver à la salle originelle. Vous faites XABB, puis partir. Vous faites cette étape jusqu'à l'avoir shiny pour ceux qui veulent chasser. C'est ce que je ferai peut-être en live, d'ailleurs. Voilà, donc une fois que c'est fui, blablabla. Je vais refaire encore l'étape. Donc là, je vais remonter de 9 pas, logiquement. 8 pas, excusez-moi, parce que quand on appelle le... Arceus, il nous fait monter de 1 ou 2 pas. Donc là, je suis pile au-dessus à Félicité. Je vais redescendre. Je vais faire XABB, encore une fois. Et je vais faire partir. Comme quoi, vous pouvez avoir autant d'Arceus que vous voulez grâce à ce Talking Trick. Alors qu'avec l'autre, vous ne pouvez en avoir que un. Même s'il est plus court. Avec l'autre, vous pouvez en avoir que un. Et en plus, il n'est pas dans la bonne zone. Alors que là, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Soit en zone félicité, soit zone originelle, celui qu'il nous faut. Donc là, je vais en capturer un en zone originelle, en salle originelle, voilà, pour être précis, excusez-moi. Voilà, donc je fuis. Arceus a disparu. Je redescends de 2 pas. Hop, je refais 9 pas. Voilà, c'est ma technique personnelle. Quand je chasserai, je fais Pokédex. Je l'ouvre, blablabla. Et là, je vais faire partir à nouveau. Et là, encore un Arceus qui veut se battre. Donc, je vais pas faire trop ce bug longtemps en espérant ne pas risquer de que ça bug, voilà, après l'avoir capturé. Je vais lancer ma Master Ball, voilà. Oui, j'ai encore une Master Ball que j'ai réussi à importer deux diamants. Donc, on va faire Master Ball, go. Voilà. Puis là, je vais vous montrer comment sortir. Cette vidéo, c'est surtout pour le chasser, c'est vraiment pratique, c'est plus rapide que des resets selon moi. Et vous pouvez avoir autant de Pokémon que vous voulez. Donc c'est parfait pour le chasser, l'avoir avec de bons IV, etc. Donc là, on va sortir, j'espère que ça n'a pas bug. Non, ça n'a pas bug, j'ai de la chance. Donc maintenant, le but, pour sortir, pour tout le monde, c'est la même méthode. Vous allez remettre le compteur de pas à 0 si vous voulez prendre exemple sur moi. Je le remets à 0. Vous allez aller au sud de la salle jusqu'à sortir de la salle originelle. Alors je ne connais pas le nombre de pas qu'il faut faire, donc faites comme moi. Voilà, j'ai fait 25 pas pour sortir de la salle originelle. Vous remettez le compteur de pas à 0, vous en faites du coup un au nord,
vous êtes à la salle originelle. Une fois que vous êtes pile à un pas dans la salle originelle, comme moi en vidéo, vous allez chercher la sortie, enfin comment sortir de la salle originelle par l'est. Donc on va aller lentement, normalement c'est 2 ou 3 pas. Ah bah moi c'était juste 1, parfait. Donc si vous êtes pile à l'est, comme moi en vidéo, ça veut dire que si je fais un pas vers la gauche, je suis à la salle originelle. Voilà. Placez-vous pile au sud-est de la salle originelle, comme moi en vidéo. Vous remettez le compteur de pas à 0. Et pour sortir maintenant, il va falloir faire le chemin inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire 288 vers la droite. Donc vers l'est. C'est parti. Alors j'espère que c'est le bon pas. J'espère ne pas me tromper. 228, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de doute. 288, voilà, exactement. Je me suis trompé, excusez-moi. J'ai bien fait de vérifier. 288, de toute façon, vous avez des annotations en cas de problème. Et vous avez mon support vidéo, si jamais vous êtes perdu. Donc là, on a fait 288 vers la droite. On remet le compteur de pas à 0. Donc là, je vous montre comment sortir. Vous allez faire 2565 pas vers le haut. Voilà. Donc je vais mettre en accéléré. Exactement, je crois que c'est 2700. Non, 2817 ou un truc comme ça. Mais pour donner des chiffres assez ronds, je fais par 5. On fait en plusieurs étapes comme 73 000. Bref, là, il faut faire 2565. Fiez-vous aux annotations, de toute façon c'est le plus sûr, parce que je dis parfois des bêtises à l'oral, donc on va accélérer. A tout de suite. Et voilà, on s'approche petit à petit des 2565 pas vers le nord. Je vais ralentir, faut tomber bien précisément sur le nombre de pas. On passe dans différentes zones, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'on est dans la bonne direction. Une fois les 2565 pas vers le nord, vous remettez le compteur de pas à 0. Et vous en faites 252 vers le nord. C'est parti! Donc faites bien attention, là c'est vraiment la dernière ligne droite pour sortir du bug. Ne vous trompez surtout pas dans le pattern, ce serait vraiment dommage. Surtout si vous avez chassé Arceus et que vous l'avez eu en shiny, ne pas pouvoir sortir. Ne sauvegardez surtout pas après l'avoir capturé, vu que vous n'êtes pas sorti, sinon vous allez rester bloqué dans le bug. Voilà, et je refais un parc ami, voilà. C'est parfait, on est dans le parc ami. Il va falloir faire X. Et là, vous faites partir. Et ça y est, vous êtes sorti du Twinkin Trick. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai bien le Pokémon. Donc, si vous envoyez un autre, c'est parce que j'ai quand même testé ce bug plusieurs fois. Au total, cette vidéo, c'est la 4ème fois que je fais le bug. Donc oui, j'ai au moins 5 heures de jeu sur ce bug. Donc pour vous montrer, c'est bien le Pokémon de la salle originelle, le 3 février 2017, pardon. Vous voyez quand est-ce que je recorde cette vidéo, le temps de montage, etc. Alors on est sérieux, malheureusement sérieux c'est une nature qui est neutre, multi-type, voilà. Donc il est bien en salle originelle, comme l'autre que j'ai chassé, voilà, 23... Ça c'est parce que j'ai utilisé une autre console pour le faire. Donc là c'est sur la capture de board qui est bien à l'heure, etc. Et voilà. Donc c'est bien le Arceus qu'on vient de capturer. Je vais vous montrer quand même déplacer Pokémon. Celui-là c'est celui qu'on a eu via la toute première vidéo, voilà, Zone Mystère qui était pas beau. Nature solo, d'accord. Donc maintenant on peut sauvegarder.
suis désolé si je parle, quand je parle, je dis beaucoup de « e ». J'ai une manie, c'est comme ça, je dis tout comme « e » quand je sais pas quoi dire. C'est vraiment désagréable, je suis désolé pour vous. Donc là, on sauvegarde. Enfin, vous pouvez sauvegarder, vous avez eu Arceus. Donc moi, c'est comme ça que je vais le chasser. Il faudra répéter l'étape que je vous ai montrée. Donc, pour sortir, soit vous faites vol, ou soit téléport. Je crois que téléport fonctionne aussi. Si jamais vous n'avez pas vol, comme ça, ça vous ramène au dernier centre Pokémon. Moi, ça me fait féliciter, logiquement. Voilà. Donc, on a terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des problèmes, etc., n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires sont là pour ça. Je vous redirige vers une vidéo de sortie de secours si jamais vous avez eu des problèmes ou que vous avez recommencé ou que vous voulez tout simplement abandonner le Toucan Trick et le refaire plus tard, voilà, et que vous êtes bloqué du coup 510 pas après avoir sauvegardé. Il vous suffit d'aller voir cette vidéo, elle vous indiquera comment faire. On aura trouvé une zone pour sortir, soit corps de sortie, tunnel, téléport, vol, bref. Pour ceux qui sont intéressés, en cas de double écran noir, il y a aussi une vidéo qui apparaît, voilà, qui va vous expliquer pourquoi il y a un double écran noir, comment faire pour enlever, voilà, c'est très très simple, surtout, si vous avez double écran noir, ne vous inquiétez pas, n'éteignez pas tout de suite la console, ce n'est pas du tout pour vous, voilà. Je veux pas que vous perdez votre temps à recommencer parce que vous avez un double écran noir, que ce soit en haut ou en bas. Ce n'est pas vraiment très très grave. Il y a un risque de freeze, mais il y a un risque aussi de récupérer son image via le bug. Donc allez voir cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par d'autres Toucan Trick, je vous invite à aller voir la vidéo menu Toucan Trick, voilà, qui va être mise à jour du coup. Et moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle a bien été expliquée. À me dire en commentaire si vous avez des problèmes, et moi je vous dis à la prochaine. C'est Remnant 7, bye tout le monde.